Alors Eric et Francis, merci d'être là. Alors bon, je vous le dis, promis, aujourd'hui vous ne resterez pas sous la table dans le noir. Hein. Je dis ça parce que j'ai vu votre première télé en 95. Vous étiez caché sous une table pour bondir et faire un sketch. Et en fait, tout le monde vous a oublié. Oui. On était tout fiers. C'est notre première télé. C'est horrible. C'est magnifique ça. C'était sur France 2, Télématin. Ouais. Ouais, ouais. Mais ils en ont oublié beaucoup depuis. Sur France 2. Oui. Il y a Patrick Sabatier là. Il y a des os maintenant sous les tables. Ah, oui, mais par exemple, on le sait pas, mais chez Ruquier, on y est tous les samedis, mais sous la table. C'est vrai, c'est ça. Et, mais Jean-Pierre, il a un point commun avec vous, c'est qu'il avait oublié Jean-Pierre, Julien Courbet, lui, sur une émission un jour. J'ai oublié Julien Courbet et Guy Lux, notre ancêtre, hein, lui, il a oublié Michel Leeb un jour. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est la première télé que Michel Leeb devait faire. Il avait prévenu tous ses potes, il avait même annulé un spectacle en province pour ne pas y aller, parce que passer à la télé, c'était quelque chose. Et Guy Lux dit « Hey, chers amis, messieurs, ça va ?» Michel ! Alors il se prépare, Sardou ! Et Sardou entre et il n'a jamais appelé Michel Leeb. Ensuite, il est allé le voir à la fin de l'émission en disant « Tu m'as oublié ? Oh, c'est pas grave, Coco, une prochaine fois. Pas grave, Coco, c'est pas grave. » Ah ben, nous pareil, parce que quand il nous avait dit « Voilà, c'est simple, juste après entre la météo et la recette de cuisine, vous sortez de sous la table et vous faites le sketch. » Comme le studio était petit, pendant toute l'émission, on était sous la table, une toute petite table, et on voyait les pieds, tu vois, les pieds des nanas qui présentaient la météo, le truc. Et nous, on était là, prêt à bondir. Moi, je disais tout le temps, Francis, non, mais c'est pas là, mais ça va être, c'est celui d'après. Et on était là, t'es là comme ça. Et puis à la fin, le mec, il dit, bon, eh bien, voilà. Et au revoir tout le monde. Et à demain. Et là, tu vois, l'optimisme va loin. C'est que moi, je dis à Francis, attends, ils font le générique et après, c'est à nous. Et donc, on a attendu le générique. Et puis après, plus de bruit, plus rien. Et ils étaient tous dans la pièce à côté pour prendre le petit-déj. Nous, on a attendu 5 minutes, on s'est retrouvés dans le studio, tu vois. C'était notre première télé. C'est énorme. Hein. Et on ouvre la porte, on les voit prendre le petit-déj. Là, l'animateur, il fait « Putain, on vous a oublié !» C'est Olivier Mine, c'était Olivier Mine ? Non, c'était avant. C'était avant. Ouais. C'était avant Olivier Mine, c'était... Olivier Casson. Lionel Casson, qui était vachement sympa. Ouais, qui était super sympa. Et donc, tu vois, là, on dit... Ben, oui, en plus, à Toulouse. On pourra peut-être revenir demain, tu vois, pour nous, c'était vital. Ah, bien sûr, alors. Ils nous disent, mais non, le planning est plein pour 6 mois, là. Non. Ouais, on n'a jamais fait ce truc. Le planning sous la table était plein pour 6 mois. Il y avait plein de mecs, qui attendaient depuis 6 mois, déjà, en dessous la table. Ils nous avaient maquillés en orange. On était tellement maquillés, on était en orange. Après, on est rentré en métro et les gens nous disaient ah, regardez, ils reviennent du ski, les boules. À la journée sans la de merde, la journée de la merde, tristesse de la journée. Europe 1, 16h 18h30, les pieds dans le plat.